Avant que la vidéo ne commence, j'ai juste un petit message à vous dire. Je prépare une autre vidéo avec Snapchat. Non, vous inquiétez pas, ce sera pas une ouverture de Snapchat. Je vous invite juste à m'ajouter sur Snapchat, c'est BY-Chris, donc by Chris avec un tiré du bas. Et oui, oui, ce sera une petite vidéo avant l'heure. J'avais juste envie de vous faire une petite surprise. C'est pour ça que une vidéo est sortie samedi et non dimanche. Et une vidéo qui sort lundi. Donc j'ai dû cravacher comme un gros bâtard pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On y va! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons parler des challenges qui a existé sur YouTube, que nous avons connus il y a peut-être 2, 3, 4 ans. A mon avis ça doit être quelque chose comme ça, 2, 3, 4 ans. Voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des challenges que nous avons connus sur les réseaux sociaux, que nous avons connus sur YouTube, qui sont actuellement en cours, des challenges qui existent. Je vais vous en parler de ceux qui pour moi étaient les mieux, parce que les trucs de filles, voilà, c'est pas trop mon truc, bon voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Merci. Donc on commence tout de suite avec le premier challenge qui était pour moi un des premiers challenges que j'ai dû voir sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Ice Bucket Challenge. Et là, je crois que ça a dû partir en cacahuète dans la tête de Pudin. Bon, je comprends encore que se renverser un seau d'eau sur la tête, ce soit encore logique. Mais là, ils ont carrément passé à vitesse supérieure. Ils ont allé se baigner dans l'eau glacée. Pourquoi vous avez fait ça? Après, il y en a qui ont pris des moissonneuses batteuses, des petites tropelles qui se sont renversées limite une piscine sur la tête. Alors là, j'ai pas du tout compris. Tu comptes te vider une piscine à chaque fois sur ta tête? Putain, ça revient cher juste pour le Ice Bucket Challenge. Le but du jeu, c'est juste de se filmer. En plus, le pire, s'imagine s'il y a d'autres gens qui font pareil que toi. En numéro 2, ce challenge. Alors là, je précise, je mets un gros point d'exclamation sur ce challenge qui était complètement débile. Alors celui-là, j'ai dû voir plusieurs de mes amis le faire. Je parle de la neck nomination. Ce challenge consistait à boire de l'alcool mélangé à je ne sais pas quoi comme connerie. Et juste pour vos yeux ébahis, petit court métrage. Ah oui, j'ai oublié de préciser, les enfants, ne faites pas ça chez vous, c'est un jeu avec de l'alcool, ne faites pas ça, ça peut être dangereux. Cul sec. J'avoue que j'ai pas trop assumé le verre là. Ensuite, le troisième challenge que j'ai envie de vous proposer, il s'agit du Whisper Challenge. Donc là, c'est un challenge qu'à mon avis qui est plus récent, que je vois beaucoup sur YouTube, etc. Et ce challenge consiste à essayer de comprendre une phrase qu'on nous dit en face de nous, en gros avec les lèvres. En gros, on doit essayer de lire sur les lèvres, avec un casque sur les oreilles, avec la musique à fond. Comment se rayer les tympans en 10 minutes? J'aime les abricots. J'aime les gros nichons. Non. J'aime les abricots. Ah, j'aime les gros nichons. Bon, on arrête là, c'est pas la tête. Après ce super défi, on a vu, on a dû se rayer au moins 2-3 tapants par-ci par-là. Voilà. Envie, on va parler du Johnny Buddy Challenge. Alors là, m'en parlait même pas, j'ai même pas voulu le faire. Alors parce que déjà, complètement, déjà, les chamallows, ça coûte cher. Et le Jolly Belly Challenge consiste à se mettre un maximum de chamallows dans la bouche et à essayer de dire, avec tout ça dans la bouche, donc voilà, ça part quand même assez dégueulassement. Je vais me taire, voilà, merci, au revoir. Une fois qu'on a tous ces chamallows dans la bouche, le but du jeu est de dire Jolly Belly. C'est pas logique! Arrêtez vos conneries, désolé, mais là, attends, on va mettre des chamallows dans sa bouche et puis quoi encore? Foutre un doigt dans le c***. Ensuite, on passe au second challenge. Alors, celui-là, je ne connaissais pas du tout avant de faire mes recherches. Il s'agit du 7 secondes challenge. Donc, en 7 secondes, tu dois réaliser un défi. Et comme j'ai pas d'idée de défi, bah, je sais pas quoi faire. Bon, moi, je sais juste que la seule chose que je sais faire le plus en 7 secondes, que j'arrive à faire, c'est. Voilà quoi, t'as tout compris. Ensuite, en 6ème challenge, celui-là je ne connaissais pas du tout, c'est un challenge pour vous mesdames à mon avis encore. Un truc maquillage, un truc make-up, je sais pas. Il s'appelle... Et j'ai oublié. Il s'appelle le Blooding Floating Mock-up Challenge. Plus compliqué comme nom, on pouvait pas, même sur ma fiche, j'arrive pas à le relire. Se faire maquiller par une personne qui a les yeux bandés. Et t'y penses même pas. Tu sors, casse-toi, tout de suite. Et ben voilà, on va arriver tout de suite au dernier challenge que pour moi est le meilleur d'entre tous pour nous les gars surtout. Je vais parler du Hunter Boob. Alors celui-là les gars, c'est juste pour vous. Mais bon, je vais pas mettre d'image parce que je risque des problèmes pour... voilà, nana, mesdames, on va éviter. Donc les garçons, je vous mets le nom juste là. Vous cherchez et je vous jure, vous allez kiffer. Bon, en attendant, je vais aller me mater 2-3 petits trucs, voilà quoi. Allez, hop. Voilà, merci, au revoir. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc tout ce que j'ai à vous dire pour cette fin de vidéo, c'est que grâce à la conjonction, alors je vais essayer,
conlexigomisation des lois du marché et de la fesse droite de Sylvain Durif. Faut m'expliquer là, sérieusement, vos délires c'est quoi là, vos phrases chelous là. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc, etc. Ce sera un petit message de fin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis, tchuss tout le monde. Et je vais pouvoir aller mater mon truc de cul tranquille pépère. Allez hop, on y va. Le président de la République, François Hollande, je sais pas pourquoi, il y a des gens vraiment, ils mettent n'importe quoi sur le bon coin. Avant, donc président de la République français en mauvais état, déjà c'est super sympa pour lui.